Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment vous pouvez créer une clé USB ou un DVD pour l'installation de Windows 10. Alors, soit que vous êtes passé à Windows 10 ou vous avez acheté un nouveau ordinateur livré avec Windows 10, est-ce que vous êtes sûr de posséder une clé USB ou un DVD d'installation de Windows 10? Et que grâce à ce DVD ou à cette clé USB, vous allez pouvoir réinstaller, si nécessaire, Windows 10 et ses fichiers. Et vous allez également pouvoir réparer si Windows ne démarre pas ou plante tout le temps. Alors pour cela, il faut premièrement télécharger l'outil de création de médias de Windows 10. Donc, rendez-vous sur cette page où je vais vous mettre le lien en bas dans la description de cette vidéo. Une fois ici, vous allez cliquer sur « Télécharger maintenant l'outil ». Alors, « Télécharger maintenant l'outil ». Moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous n'avez qu'à cliquer ici et attendre le téléchargement de l'outil. Une fois donc le téléchargement est terminé, vous allez donc vous retrouver avec cet outil. Maintenant donc on va l'ouvrir. Pour l'ouvrir donc double clic. Cliquez sur oui. Alors puis on clique sur accepter. Donc, il faut activer, créer un support d'installation pour un autre PC. Puis, cliquez sur « Suivant ». Donc, ici, c'est la langue. Choisissez votre langue. Pour mon cas, le français. L'édition, c'est Windows 10. L'architecture, c'est donc 32 bits, 60 x 86. Si c'est le cas, donc ça sera, si c'est l'autre cas, ça sera 64 bits. Utiliser les options recommandées pour ce PC. Donc, cliquez sur suivant. Donc, il faut choisir donc le média à utiliser. Soit, si vous souhaitez donc installer, faire une copie d'installation de Windows 10 sur clé USB, donc activer cette option. Si vous souhaitez créer un DVD, désactiver disque mémoire flash, puis activer fichier ISO, puis cliquez sur suivant. Alors là, si vous avez choisi la clé USB, il faut donc s'assurer qu'il s'agit de le vôtre. Si vous avez deux ou trois USB donc connectés à votre PC, donc désignez celui que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur suivant et le téléchargement donc commence. Alors une fois le téléchargement de Windows 10 il est terminé, vous allez cliquer sur terminer. Et mettez votre clé USB dans un lieu sûr. Elle vous permettra donc de réparer une installation de Windows 10 ou bien d'installer un nouveau système en bouton dessus au démarrage de votre ordinateur. Si dans l'autre cas, vous choisissez un DVD, donc il faut installer Windows 10 ou télécharger Windows 10 sur un DVD que vous allez donc mettre dans votre lecteur de DVD de votre ordinateur. À la fin, vous allez le graver et l'utiliser dans le même but pour réparer ou réinstaller Windows 10. Ainsi, j'espère que ce tuto vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.